Bonjour mes grands. Aujourd'hui, nous allons corriger le petit challenge que je vous ai donné. Comme je vous l'ai appris, d'abord, toujours chercher le verbe conjugué. Ici, il y a 5 verbes conjugués. Nous n'avons donc pas une phrase simple. C'est une phrase complexe, c'est-à-dire une phrase qui contient plusieurs verbes conjugués. Cette phrase complexe, nous allons la décortiquer en propositions. En effet, vous savez qu'à chaque fois que nous avons un verbe conjugué, nous avons un message qu'on appelle, dans la phrase complexe, une proposition. Donc ici, combien avons-nous de propositions? Eh bien, autant de propositions qu'il y a de verbes conjugués, c'est-à-dire 5. Il y a dans cette phrase complexe 5 propositions. Voilà les 5 propositions. Grâce à mon petit montage, vous pouvez voir que les pronoms relatifs qui et que évitent les répétitions et remplacent les noms placés avant eux. Ce sont les noms que j'ai soulignés. Si nous imaginons le film de cette phrase complexe, que voyons-nous d'abord? Nous voyons un chat. C'est le message principal que nous appellerons proposition principale. Je peux m'arrêter là, le message est clair. Les autres propositions ne sont que des détails. Elles sont subordonnées. Et propositions subordonnées relatives parce qu'elles complètent un nom et qu'elles commencent par un pronom relatif. Et voilà, nous en avons terminé avec les expansions du nom. Pour ne rien oublier et être prêt pour la 6e, apprenez la carte mentale que je vous ai confectionnée. Les expansions du nom n'auront plus aucun secret pour vous.